vous allez faire quelque chose d'autre que vous cachez sur les chipons de votre main cet été. D'ailleurs, t'es plus peur que nous, tu sais. Ouais. Je suis sûr que vous êtes même pas d'aller poser une nuit complète dans la maison au fond du village. À... Tu sais, la maison inhabitée, là, dans le bidonville. Quoi? La vieille maison abandonnée, c'est qu'on dit inhabitée par un fou furieux? Ouais. Des gaves en salle? Ouais. Je savais que vous étiez trop chicken pour y aller. Bon, minute, on n'a pas dit qu'on y allait pas. Ouais. Je parie 100$ que vous ne passez pas une nuit complète. Je veux des preuves vidéo ou photos. Au cas où vous seriez trop bébé pour y aller. Je filme. J'ai une caméra puis je filme. On relève le défi. Ben moi aussi. On tape. Non, voyons, ce n'est point moi que tu vois sur ce mur. C'est donc bien vieillot. Les hommes, oui. Tout le monde sait qu'il y a la pique à la maintenant. C'est là, non? Il y a la pinte. Tu vas peut-être sortir. Oui. Allez, déballons une affaire qui ne seront plus de script à dire. Nous sommes prêts à dormir. Ben, pas moi, en fait. Attendez-moi, là, je m'en vais au petit coin. Une maudite chance que je pisse debout, hein? Une maudite chance, ouais. Ben là, je fais quoi? J'ai envie de chier. On va tous mourir. Pis on va gagner notre pari quand même. On va rien gagner si on est mort. On ne payera rien. On va payer de notre vie. Vos gueules! On va... Si on continue de même, là, on tapera pas le restant de la nuit, là. On va chercher, là, voir s'il y a d'autres pièges, là, dans l'autre pièce. Cherche là. Je m'en vais chercher là. Attention, je te donne une tailleur, ça vaut bien. Seigneur, aidez-moi à sortir de ces vivants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, avez-vous trouvé quelque chose? Non, je pense pas. Mais c'est ce qu'on a souffert là, il n'y a rien. Ben oui, regarde, il y a des escaliers, là. Quels escaliers? Ben ceux-là. Oh, ceux-là! Ben, venez, allons voir. Ça m'a dû, Alexandre. Non, ça va être correct. D'accord, allons. Allez, allons visiter. Ben moi, je sais pas. Je pense que je vais retourner en haut, à dépasser mes affaires. Okay. Il est heureux. Non!
Et sans le de là, Alexandre. Ok, trop bizarre. Ok, je peux me lâcher. Non, continue en mémoire de français, ça y est. On va aller en chercher en bas. Tu fouilles dans mes affaires, petit mal élevé. Ah, Francis, c'est-tu toi? Non, on manquait l'acteur. Ah, oh, ok. Francis? C'est-tu toi? Non, on manquait l'acteur. Okay. Francis, c'est-tu toi? Non, on manquait l'acteur. Bon, tu disais à comprendre ça? Ah, ok, excusez-moi, je savais pas. Bon, là, y a-tu d'autres personnes qui vont arriver pour que je leur dise qu'on manquait l'acteur? Ben, moi, j'aurais pu être l'acteur. Oui, ta gueule. Bon, je me présente, Fifou Furieux. C'est lui qui a tué Francis. Bonjour. Bon, je vois que vous êtes plus coopératif. Ici, on joue à un jeu. Être cache-cache meurtrier. Comment ça se joue? Les règles sont simples. Vous vous cachez. Le premier que je trouve, je tue. Ce n'est pas amusant, ça? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, vous continuez à vous cacher jusqu'au lever du soleil. Si jusqu'à là, vous êtes encore vivant, vous êtes libre. On demande un caucus. Accepté. Bon, là, les gars, on fait quoi? Moi, ça me tente vraiment pas. Moi, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe si on refuse? Si vous refusez, ben vous cassez vos jambes. Ensuite, vous me arrachez vers la peau lentement pour vous souffrir. Après ça, vous commencez à vous hacher par les pieds pour que vous allez avoir bien mal. Après ça, vous prendre un couteau en plastique rouillé pour vous ouvrir l'abdomen. Après ça, avec un ciseau, on accepte alors. D'accord. Je vous laisse 5 minutes d'avance. Allez, parti. C'est ça, je suis Antoine. Je suis pas le meurtrier et puis je fais pas semblant d'être Antoine non plus. Ok. Je suis âgée. Tu sais, j'ai un secret à te dire. Quoi? Je suis le meurtrier! Michel, tu peux-tu me passer le papier toilette, s'il te plaît? Merde. Ouais, c'est bien ce que dans les toilettes. Merde, petit blé. Merde, que je t'arrache tout ton sang et que je boive. Ah,
tes nouveaux cachettes. Qu'est-ce que c'est stimulant, un jeu de cache-cache meurtrier, hein? Ah oui, pour votre ami, c'est pas sorti parce qu'il bouge les toilettes. Et quelle heure? 3h30, alors on n'a pas fini de s'amuser. Mais vous avez raison, on va plus jouer à cache-cache meurtrier, c'est trop sadique. Pour vrai? Ouais, pour de vrai. Sauf que là, on va jouer à un autre jeu beaucoup plus amusant. Ouais. L'attaque meurtrière! Yes, j'adore mon boulot. T'es le dernier. Sans voir, on m'a bien traité avant de manger. Non, attends, tu ne peux pas me tuer ainsi. Pourquoi pas? Parce que je te défie en duel. Un duel? Excellente idée. D'accord, j'accepte. Le duel se déroulera en une manche. Si tu gagnes, je perds. Et si je gagne, tu perds. Compris? Oui, mais c'est quoi le but exactement? Ah, c'est vrai. Tu connais le tournoi de chevalier qui avait dans l'ancien temps? Ben, ça sera comme ça. Oui, mais c'est quoi qui va nous servir de lance? Un autre bras, évidemment. Une question? Non. Fred? Ouais! Go! Il s'est fracassé le crâne. Oh, je suis libre, yes! J'ai gagné mon pari! Et tu prends comme ton pari? Non, car j'avais gagné. Comment ça? As-tu des preuves? Oui. Non, en fait... je savais que tu étais trop bébé pour y aller. Hé, hey, attends, j'ai des preuves. Ah ouais? Lesquelles? J'ai leur tête. Ça compte pas. J'ai dit des preuves vidéo ou photo. Même pas si j'ai la tête du fou. Il était pas avec vous, ce gars-là? Hé, hey, ben... on manquait l'acteur, c'est clair? Ça compte pas. Pitié! Pitié! Pitié!